c'est toujours un paradoxe de voir que celui qui se prétend innocent essaye d'échapper au rendez-vous fixé avec ses juges. Maintenant, dire que c'est une présomption de culpabilité, M. Trébert a été renvoyé devant la cour d'assises parce que les magistrats de la chambre de l'instruction ont estimé qu'il y avait contre lui des charges sérieuses. Il est présumé innocent au terme de la loi. Ce sera un des éléments d'appréciation de plus que les juges devront peser au moment de son procès.